Contact Pro Live. Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver devant vous, encore une fois de plus, pour vous présenter ce nouveau numéro où nous allons encore essayer un peu de donner notre point de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à m'appeler hier, en réaction, vous aviez réagi que j'étais un peu monté ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui se passe lorsque vous êtes sur la route ou bien vous voulez faire, vous êtes déjà engagé dans un petit voyage, parce que je faisais à peu près une affaire de 700-600 km hier. Et donc, je voulais justement vous donner ce point de vue, cette réaction, parce que dorénavant, vous allez commencer encore à avoir cette réaction une fois par semaine. Vous aviez réagi, vous aviez dit, il y a des sujets que je n'avais pas, j'ai commencé, que je n'avais pas trop parlé, tout ça. Tout ça, justement, je voulais, parce qu'il faisait une semaine que je n'avais pas fait ces émissions, mais vous aviez posé beaucoup de questions. J'étais vraiment très, très bref. Mais au courant de cette semaine, nous allons voir comment est-ce que nous allons donner nos points de vue sur les situations qui se passent en République démocratique du Congo. Merci en tout cas pour tous mes abonnés qui sont en train de réagir à toutes les émissions. Il y a des gens qui me suivent et qui ne cessent de m'encourager. C'est ça qui m'encourage et qui me donne la force de continuer. Parfois, à un certain moment, je me dis, ah, ça fait quand même, je suis fatigué. Mais lorsque je vois la réaction des gens, lorsque je vois combien les gens attendent mes points de vue, je me dis, il y a lieu qu'on continue et que les points de vue que nous sommes en train de donner sont en train surtout d'être suivis par les décideurs de notre pays. C'est ça qui nous enchante. C'est ça qui nous fait du bon plaisir à continuer à faire ce travail. Alors, nous sommes rentrés dans nos studios aujourd'hui. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'où vient le mal. Nous allons essayer un peu de voir, dans quelques minutes, savoir d'où vient le mal. Pourquoi est-ce que ces élections, cet tumulte de ces élections, il n'y a pas de consensus? Et comment peut-on faire pour que nous puissions avoir ce consensus sans beaucoup casser les œufs? Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un fait accompli. Nous sommes allés tenter d'aller tout droit dans un mur. Batubaza koyo kanate. Bandeko, totalana nous likamwana, mal et zawapi. Est-ce qu'il faudrait-il que nous puissions continuer sur ce temps ici? Et quelle est la solution que nous envisageons à ce que sortir Nabiso selon nous? Quelle est la solution, quelle est l'attitude que le président de la République devrait prendre pour finalement sortir à casser Babylon? Mais je sais que la seule, et là qu'on a surtout au Yakozwa comme décision vis-à-vis à nomination Yanani à Koleksanani Denis Kadima comme na Makambwaseni et qu'on casse Batumsu Bakozalaka contenté. Mais quelle est l'attitude que nous devons, nous ici, nous supportons? Et là qu'on y n'a pas biso tozo kanisakeno et qu'on bimisa biso nanano, parce que nous avions vu que le président de la République, il est entre le marteau et l'enclume. Faut-il continuer? Faut-il s'arrêter tout ça? Nous allons analyser ça. Et puis, nous allons parler aussi de cet état de siège qui, finalement, nous, le peuple congolais, nous avons pratiquement raison. Tozan a raison sur toute la ligne. Ma décision, auto-proposaka, on nous a pas écouté. Mais, oh, basali na nenge na bango, eza kome mabiso wapi. Nous allons en parler, donc, ces deux sujets-là. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de nos deux sujets. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-.net. Marche des élèves en RDC, le ministre Tony Mwaba crie à l'instrumentalisation. Et puis RDC Covid-19. Félix Tshisekedi reçoit sa deuxième dose de vaccin. On va sur actualité.cd. Congo central, décès d'un élève tamponné par un poids lourd à Matadi. En colère, ses condisciples ont incendié le véhicule.
RDC, payés au taux de 9300 francs congolais à 1 dollar, les étudiants de ENA en sit-in devant l'immeuble du gouvernement pour exiger le paiement de leurs arriérés de 3 mois. Congo profond, art d'expo, expo d'art, Gaël Mutombo Pandanjila rend hommage à Ambroise Boimbo au salon Chiang Kai-shek à Taïwan. Maître des experts de l'ONU, des avocats exigent la libération de leurs confrères en détention depuis 30 jours à Kananga. On va sur 7 sur 7. Une question orale avec débat adressé à la ministre du Travail sur le non-respect des SMIG par les employeurs expatriés. Fonds minier de la RDC, un mal né. Tribune de Modeste Nyembo Kangata Oasis Kadila. On termine par Radio Okapi. Butembo, la société civile de Bapere, sollicite un déploiement des forces de sécurité face aux attaques Mai Mai. Des déplacés arrivent en masse à Cantine. Ça, c'est à Beni. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, Bandeko. Tout banana nous a dit qu'il y a état de siège. Pour que toi ko kosu ki sana d'où vient le mal et puis to luka to pesa notre point de vue solution na biso eza wapi état de siège. Nous avions dit ceci dans le temps: nous devrions d'abord cerner le problème, et le peuple avait cerné le problème en donnant des solutions. Bana kutu babima kana nzela, les enfants ont campé à la mairie de Beni, avec des solutions à la main. Nous avions dit quoi dans le temps? Pour que l'état de siège ait lieu, va déclencher état de siège on a mon côté. Parce que finalement, les Congolais commencent à se dire que nous avons un pays qui a été, qui est vraiment dans une situation spéciale. Donc, pays nabiso ezana ba norme te, nous sommes dans le désordre. Vous qui êtes à l'intérieur de ce pays, batou bino boza ko vivre kuna boki ko mona ngote. En regardant comment ici par exemple nous sommes awa na bamboka otozana ngo awa en Afrique du Sud, na bamboka msusu oto visitaka. Vous allez voir qu'il y a, nous sommes vraiment ezana ditozana même na 50 ans ou bien 80 ans en arrière en batou msusu. Tant que biso to koma na ba niveau o ba to ba zali lelo bango ba kozala basi ba ke musika. Où est-ce que nous sommes? Toza musika. Nous sommes incapables de commencer un projet, de cerner un projet, de regarder comment est-ce que to ko sala ngo to ko beta dada to beti ABCD problème za wapi. Nous faisons tout dans la précipitation. L'état de siège a été décrété dans la précipitation, pensant que nous avons le moyen de nos politiques. Or, les alaki bongoté. Qu'est-ce que le peuple à la base réclamait? Le peuple à la base réclamait à ce que, d'abord, qu'il y ait départ de la MONUSCO, qu'il y ait cantonnement de tous les militaires, suivi si koyo na babilo comme sous soulette à fermeture à la frontière. Bah, nous avions dit pendant ce temps-là, na erwana tangu ba makambo a beni ezalaki tolobi, pona ko aider biso ko kanga ba frontière, que toutes les exportations, surtout des matières premières, soient bannies na kati ba frontière, à partir de ba arukus kuna likolo ti na Goma ou na Bukavu, ti même na Kalemi. Que toutes ces frontières-là soient fermées d'abord, pendant l'état de siège. Pendant l'état d'urgence, moi j'appelais ça un état d'urgence à ce moment-là. Nous avions dit que, bafunge kwanja ma frontière zote, on va fermer les frontières comment? C'est en disant par exemple que non, les exportations de matières premières devront passer par des poules d'exportation où il fallait créer. Donc le problème devrait être cerné d'abord dans toute son entièreté. Yakoloba, batu o baza koboma niaya weko wapi? Quels sont leurs buts? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi il y a ce massacre? Il fallait que d'abord nous les Congolais to comprendre likambo oyo
l'entièreté. Et c'est ainsi, dès que nous aurions compris, nous aurions maintenant planifié où est-ce que nous allons frapper. Quels sont les moyens que nous, en, nous, nous avions en main pour que tout combattre l'Ikambouane, état de siège, tout il y a un massacre. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous avions vu que le président a été embrouillé, va embrouiller qui va l'obtenir, tout tient qu'à état de siège. Tout ça n'a pas soldat. On l'a embrouillé et on l'a comme ici devant un fait accompli. Où est l'ennemi maintenant du peuple? C'est sur le peuple qui réclame ou bien c'est le peuple qui embrouille le décideur, le président de la République. On lui a mené dans une histoire dont on n'avait pas encore cerné les tenants et les aboutissants. Donc, état de siège en gros commis état normal. Or, si nous avions fait ce que le peuple demandait, nous pouvions avoir des résultats aujourd'hui. Parce que peuple lingini, peuple ezakobo yake, et yemi que non, batou bazakoboma, ezakaba, mingi mingi, 80% de ces gens-là qui tirent les ficelles, ce sont les phases qui sont désorganisées. Ba commanda ya ba phase, na ba tunus, o bazako coopere, na ba toa ya libanda. C'est ainsi que nous avions dit, il fallait d'abord, tokanga ba frontière, cantonnement à tous les militaires, suivi d'une identification de la population. Retenez encore, rappelez-vous des phases, tant que Mamadou, opération Soukola, l'armée avait difficile de distinguer l'ennemi et les raïa, donc Mwanamboka. Et ils avaient, dans les villages, ils avaient imposé le système de jetons, des cartons. Tout ça montrait le besoin d'identification. C'est pour cela que nous avions dit l'état de siège devrait suivre na ba mesure moko il y a identification à population na ya koyeba na ya zanani na ya zo salanini. Pendant que l'administration devrait, donc l'armée devrait mener des opérations pour na ko sala ko kangana ba frontière ko pekisa bah, trafic, nous avions dit qu'il fallait, comme c'était un état d'urgence, il fallait d'abord arrêter la circulation en Agnosso, même pendant un mois. Batouba zala ba kendekete batouba ba bimaka penza te ba kenda ba circulation butembo beni ba kokendeti ba isiro kuna ezala na nous stopper. Mais on nous a pas entendu. Les lots ont moyen à coyer, banani, azanani, te, ezali. Mais le peuple connaît, c'est ça justement, bato ba embrouillé, baza kola ki sa na monde, que non? Il est difficile de connaître qui est ADF na banani. Nous connaissons les Codeco. Les Codeco, ils ont banan boka. Les ADF sont des militaires, les militaires congolais. O baza ko profiter na likambu, o baza ko linga, ba massacre, on est continué. Bazak téléguidé par les étrangers, même par les Rwandais, même par les Burundi. Bazak téléguidé na bambo kawana. C'est ça justement. Donc, on ne nous a pas écoutés. Et les lois ont commis état normal. Donc, le président a vu que non. Et donc, nous revenons à la situation de Kabila, où Kabila a dit, bon, en tout cas, ton meki likambu oyo, ton kokil susute. Regardez maintenant la conséquence. Parce que lorsque nous avions dit de fermer les frontières, les lots, l'armée rwandaise peuvent entrer chez nous et faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que nous n'avons toujours pas cerné le problème. L'Ikambo état de siège a cerné Kakate. Donc les massacres continuent. Il y a eu 2 jours, on a tué 10 personnes. Il y a 15 jours, on a tué. Donc dans les 3 jours ici, nous avions compté 46 personnes tuées dans le massacre. Les embuscades, n'en parlons plus. Mais maintenant, les Djalelo qui trompent le président de la République. Bazako koma na Kinshasa kuna bazako loba. Non, ça va. Oh non, on a bastillé, on a tué, on a envahi donc ce qui centre à Kodeko to panzi bango ba kosala tsusute. Pendant que vous dites ça, bazobo mabino kaka, bazobo mabato. Et vous à Kinshasa, des journalistes aussi, des chalelo de pouvoir, ceux qui travaillent pour Yamabe, parce que les gens ne sont pas conscients. Même à temps, il faut que côté de Yalibanda qui non, biso awa, to sale la kababa ennemi. Ce sont plutôt eux. Oh, il faut que relayer information à faire des faux. Oh non, nous avons tapé ici. Nous avons.
il n'est que question d'organisation likamwana ko kikosila. Donc pour l'instant, pour terminer ce dossier là, nous connaissons maintenant que le président de la République, il est incapable de terminer cette situation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des hommes tout autour de lui qui peuvent s'asseoir en se disant to kadrié na no likambu ona. Quels sont les militaires que nous avons? Quel est le problème que nous avons dans notre armée? Bandeko, ceci nous rappelle lorsqu'en 96 nous avions une forte armée na phase. Tobando kanisa ke armée na biso za makasi, mais notre armée a été battue à battre couture na nani na bakadogo. Pourquoi? Parce que armées à la qui bien payé, on faisait montrer à Mobutu que non, puis ça, tout ça, ma casse, tout ça, la boue. Mbanga, y'a pas congolais. Mais tant que tu es comme un terrain, y'a pas armé, y'a pas de batika, y'a même pas minouki. Et c'est la même situation qui se trouve maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko, ce qui donne Moko à se lever, et qui a zana bibundeli, a kobeta armé, on a pas kokima. Mais on va faire croire au président de la République que non, tout ça m'a cassé, bendele quoi y a t'es, tout ça. Ce sont là les ennemis du président, les ennemis de la paix. Bandeko, tout ça, deuxième sujet, Nabiso, d'où vient le mal? Likambo et Aseni. Le mal vient d'où? Tokoyo Kanakate, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas organiser une élection qui. Nous-mêmes, nous proclamons déjà le vainqueur. Un type, un professeur comme Mbata, qui passe à la télévision, il dit, non, nous sommes prêts pour les élections. Nous savons que Félix Tshisekedi va gagner les élections. On n'a même pas encore commencé. Parce que nous connaissons déjà le vainqueur. Alors pourquoi est-ce que toi engagé sous ba fond et belé na katia ba élection oyo to ebika ke Tshisekedi a pour gagner? Tout ce que nous allons faire maintenant, c'est pour faire en sorte que le président Tshisekedi puisse gagner. Alors à quoi servent ces élections? Et c'est là, le mal vient de là. Les jours où le président a dit que non, ngai na lingi deuxième mandat, le président devrait démentir. Pour Likamakamunyoso et qu'elle n'est bien l'élo, il ne faudrait pas que nous connaissions qui est le candidat et qui ne sera pas candidat. Et nous demandons au président de la République à signer l'Oko Oyote Abayabi l'Oko Oyo, à déclarer que non, ngai na koza la candidate, parce que je ne connais pas encore. Badonne ndenge kozala. Tout travailler na nous, mboka na biso, mettons-nous d'abord au travail ce que nous sommes en train de faire, au lieu de penser aux élections. Nous avons encore 2 ans. Donc le mal est venu les jours où le président de la République a osé dire que non, moi j'ai encore le besoin de deuxième mandat et tout le monde. Batounyoso, comment on a que non, Moussala Malonga, Azo Salate.
tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Biloko nyonso tout, nous voyons comment les choses ne marchent pas. Ne nous voyons pas la face, c'est ça le problème. Les choses, aujourd'hui, le bilan de Félix Tshisekedi est tigelou, comme on dit à Tshiluba, c'est zéro. Nous regardons dans les provinces, nous regardons tout ce qu'il fait. Le peu des actions qu'il est en train de faire, ce ne sont pas des actions visibles. Bah, action à président de la République, nous avions dit ceci au départ. Bandeko, il faut s'attaquer à l'origine. C'est pour cela que nous disons, le président de la République n'était pas venu avec un plan qui pouvait sauver le Congo. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le problème du Congo. Lui-même avait déclaré ça même na top Congo à l'obino. Ngana ebielo kona kosa la tena kona kokangana nu oba kacho tout ça. Il n'avait pas un plan. Et tous ceux qui sont en train de vouloir être des candidats ou bien ba diriger mboka oyo, balingi ba diriger mboka oyo na kati ya kakofonie o ezatoza nango pour se servir eux-mêmes. C'est pour cela, n'attendu qu'il n'a pas résolu un problème primaire, un problème fondamental, yamboka na biso à salier le Congo-Côte. Il n'a jamais touché au fondamental. Et quel est le fondamental? Le fondamental, c'est la structure de l'État qui a échoué. Cet État unitaire a échoué. C'est là où nous disons que le président de la République ne tape pas bien. La structure, c'est là où il devrait commencer. Mboka, oh, pour nani ni tozo koma na corruption belé, qu'est-ce qui se passe? Et là, on est outi wapi. L'UDPS n'a jamais fait l'analyse. L'UDPS est parmi ceux qui nous sont en train Nous nous posons la question pendant les 32 ans, oh, ceux qui 37 ans à l'élite, est-ce qu'ils avaient réfléchi comment est-ce que. Quelle est la vraie solution applicable pour réveiller, pour donc tout remettre le Congo sur le bon rail? Nous nous posons la question, ils n'ont jamais. Jamais. Tshisekedi aujourd'hui, en arrivant au pouvoir, il ne savait pas ce qu'il venait faire. Yango makamunyo surtout oyo, même nakati armé a évité de venir à sala boy. La politique et affaires étrangères a évité en moté. Il est en train d'être dribblé par Kagame et tout ça. Le président, finalement, c'est un président qui commence à apprendre. Et comme il est dit, dans le Kabila, Zalaki n'a pouvoir, il faut en apprendre. Non, nous avons besoin des gens qui connaissent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La situation est commise. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous avions demandé à Fachi de reprendre tout à zéro. À remettre le pouvoir dans le peuple, c'est-à-dire quoi? En appelant les états des lieux des territoires. Merci encore pour les gens qui sont à Kinshasa et qui m'appellent encore pour cette histoire-là. Il y a les Kamboya, il y a l'état des lieux à votre territoire. Ce sont des conférences où il y a Sangisakabatu va réfléchir comment résoudre les problèmes dans leurs milieux respectifs. Que le Congolais puisse. Le moment est propice aujourd'hui. Et qui peut le faire? Le président Tshisekedi Félix est en bonne position à lancer loko oyo. Pourquoi? Parce que tout le monde sait toujours la solution ko uta wapi. Solution est-ce que kozala na ba élection solution? Les élections ne nous ont produit rien. Et c'est là qu'il doit lancer ce message là dans un discours à Koloba bandeko to sala ki ba élection en 2006, to sala ki na 2011, to sala bozo mona kaka. Tozoko mettre démocratie à malamouté. Alors je demande à la population de s'impliquer. Il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il a fait. Oh la sala qui a consultation, yemoko komi konote bato ba point de vue. Non, ce Congo ne pourra jamais être réveillé par un homme. Likambo ya koloba tozoko déifier bato tozoko yende mutu yende président nabiso. Ça c'est nous sommes en train de nous éloigner de la solution. Solution, il faut que le président de la République a lancé Balouana Nakati ya peuple à Koloba. Organisez-vous selon vos territoires, Bandeko, Bokende Koluka consensus. Comment est-ce que vous jugez tout passer dans la 4ème République? Tout
passer dans la République à Sika. Oh, le peuple a causé la en contrôle. Bino si qu'on a quand il y a territoire, qu'on a beaucoup vendu, beaucoup et beaucoup. Ok. Sur le plan économique, voici. Et puis faut bien qu'on a ezana. Nous avons un cahier des charges ici. Tozana déjà dans ma plan awa. Oh, Toza koloba ke soki projet oh, président Azoyo Kabiso. Ba toi aide peso baza ko bengangai. Nous avons le plan, nous pouvons faire ça. C'est réalisable. C'est réalisable. Bato baza ko bundanyo soana tout ça va parce que la solution du Congo est globale. Nous devons le peuple à la base doit commencer à se prendre en charge et se dire que non, awa to lingi muyibite. Alors soki déjà na kati ya ba territoire qui mouille les athées. Vous pensez que les gens qui seront dans le gouvernement central vont commander à Koïba? Si déjà au niveau de la base, on commence à punir et on punit sévèrement ceux qui sont en train de voler l'argent de l'État, vous pensez qu'ils le feront au niveau du gouvernement central? Non. Ils ne feront même pas ça au niveau provincial. Mais tant que vous avez un niveau à l'ISSEB à Koyokana, vous avez une structure en place. Ba mécanisme ya koloba ke non toko contrôler moko mbongo na biso toko contrôler ba entrer na biso. Nous allons le faire comme ceci pour que eloko na biso awa eza eloko na biso. Nous devons nous approprier de ce pays. Ce pays n'appartient pas aux Arabes pour venir investir. Et c'est là où on est en train de nuire le président en erreur. Bandeko, je vais m'arrêter là aujourd'hui en remerciant vraiment ceux qui sont à Kinshasa et qui m'appellent et qui veulent vraiment en savoir plus sur cette histoire ici. Il y a bah, état des lieux à bas territoire. C'est une bonne idée et c'est la seule solution pour l'instant pour que tout basculer dans la Troisième République. Ça ne sert à rien d'aller dans les élections qui ne nous aboutiront encore dans des conflits et la cabine sur sous Babylon comme sous Zangatine. Mais ceux qui toquent qu'on a nzela à Koloba, non, bisonyoso, tout s'impliquer, tout si kanan makambo ba parti politique ou à côté ou tout ça, tout mongisana mboka. Réfléchissons d'abord sur notre pays. Quels sont les réfléchissez sur votre pays. Donnez-nous, allez réfléchir, donnez-nous les résultats. Comment est-ce que vous pensez que na kati ya ba zone na bino, na kati ya ba territoire na bino, bokoki ko développer mboka na bino. Et que ma makaniswana to kotia ango sikoyo dans l'ensemble de du territoire, ne to recréé sikoyo constitution à sika, to koyeba sikoyo, tant ba consensus wana si salemi, to koyeba to ponanani ba parti politique ko bando zala dirigeant ndenge nini. Et cela nous pourrons passer à une république où ba loi et ko banda ko zala respecter, les punis seront punis sévèrement, ba ko zala koyeba peuple ko zala contrôler ba tout. Merci beaucoup, vous aviez été nombreux à m'appeler et vous, comme surtout mes abonnés, vraiment, Nalingi Bino Mingi, je vous aime beaucoup parce que vous me merveillez lorsque vous intervenez sur nos émissions. Je suis très content. Portez-vous bien, continuez à partager cette émission, continuez à laisser des j'aime parce que nous en avons besoin. Notre émission est en train de grandir. Je crois l'année prochaine, nous serons encore très, très, très... Les Gaillardis, nous serons récompensés par l'agrandissement de projets que nous sommes en train de préparer pour vous. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.